Bonjour les amis, c'est Tolly de Belge. Regardez, j'ai mis les lunettes pour vous éclairer sur le contrôle technique. Alors on a déjà fait une vidéo, on a fait un live en début de saison sur le contrôle technique Moto Belgique qui a amené beaucoup de problèmes pour nos amis motards belges. Après cela, on en a reparlé de temps en temps et puis finalement, la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, on a été contacté par le contrôle technique, donc par le responsable d'autosécurité qui a dit voilà, nous avons suivi les différentes vidéos qui tournaient sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et on s'est rendu compte que finalement, il y avait quelques personnes qui étaient dans le milieu de la moto et qui n'avaient pas été directement contre, qui avaient essayé de trouver les tenants et les aboutissants de l'histoire, qui avait essayé de voir les côtés positifs, les côtés négatifs. Et donc, nous avons été invités à suivre une formation, un truc assez privatif, normalement, qui était réservé aux professionnels de la moto. Donc, nous avons appris, nous étions des professionnels de la moto, puisqu'ils ont eu l'occasion d'aller suivre cette formation. Oui, parce que Libre bossait. Donc j'ai envoyé l'équipe suivre cette formation et on en a retiré beaucoup d'enseignements hyper importants. Et alors, pour ceux qui sont contre le contrôle technique, le mieux c'est de directement éteindre votre PC parce que voilà, au revoir à ceux qui sont contre. Ceux qui ont envie d'entendre si effectivement il y a des choses positives, continuez à suivre cette vidéo. Alors les gars, donc c'était vachement intéressant. Alors première chose, c'était vachement intéressant et surtout vachement positif. Parce qu'au final, on s'est rendu compte que dans l'explication, déjà, le fait que ce soit des véritables motards qui ont été choisis au sein du contrôle technique, donc ce sont des contrôleurs qui, en fait, ont été sélectionnés parce que, déjà, de un, ils étaient motivés, c'était de par leur motivation, aussi qu'ils étaient contrôleurs, qu'ils étaient de bons contrôleurs, et surtout que ce sont des motards, et de vrais motards, pas le gars qui roule une fois de temps en temps. Donc il y avait quand même une base vraiment de motivation pour faire ce contrôle technique. Et pourquoi avoir choisi ces personnes-là? Parce que non seulement le fait d'être motard, mais aussi dans le fait, à côté du bouquin qui est là, de Oli entre les mains, il fallait en fait tout simplement essayer de chercher un petit peu les zones, les zones blanches, donc les zones où il y avait un flou dans la règle qui était demandée par l'Europe pour essayer d'y faire des brèches et de permettre tout un tas de choses qu'au final on aurait pu croire interdites, tout comme par exemple les échappements, le fait qu'on ne contrôle pas l'homologation d'un échappement. Donc vous pouvez aller avec un échappement racing à partir du moment où il fait pas trop de bruit et à partir du moment où la pollution n'est pas extrême. Mais de nouveau, ils ont pris des marges de sécurité, surtout que ça soit sur le bruit. Ils ont rajouté 3 décibels au-dessus du volume maximum que fait votre moto. 3 décibels, ils nous l'ont expliqué, nous l'ont montré. C'est énorme. C'est comme si on mettait 2 motos d'origine qui tournaient l'une à côté de l'autre. Ça fait déjà un bruit beaucoup plus important. Même chose pour les émissions polluantes. Ils ont pris en fait une valeur qui vient d'une voiture à carburateur des années 80. Donc ils ont pris une marge énorme pour essayer de faire en sorte de ne pas déclasser toutes les motos. Au niveau du reste, ils tolèrent énormément de choses sur la moto, comme les modifications. Si vous aviez une fourche traditionnelle, on peut mettre une fourche inversée, on peut mettre un tête de fourche qui est modifié avec des réglages. Bref, il y a tout un tas de choses qui sont autorisées et qu'on n'aurait pas pu croire. Et moi, j'en suis arrivé à poser la fameuse question des cafés racers. Tout le monde connaît les cafés racers, ces motos qui sont intégralement modifiées. Ils nous ont dit, du moment que tout ce qui a été fait s'intègre correctement à la mécanique et que tout est fait correctement, ils ne voient pas pourquoi ils l'interdiraient. Donc, ça veut dire du style, on a coupé dans la boucle à l'arrière. Si on ferme la boucle et qu'on le soude correctement, il n'y a pas de problème. Par contre, couper au-delà de la fixation de l'amortisseur arrière, donc au niveau du châssis, ça, c'est interdit. Voilà, donc en fait, il y a plein de choses qui sont tolérées, contrairement à ce que l'on peut croire, et on doit revenir sur la base, c'est dans le cas de la revente du véhicule d'occasion. Ou en cas d'accident, et là, de nouveau, on a posé la question, à quel moment peut-on définir que la moto va devoir aller en cas d'accident? À partir du moment où il y a eu un expert qui est passé. Pourquoi? Parce que si vous déclarez pas votre accident, il y a rien du tout qui vous enverra au contrôle technique. Par contre, si effectivement vous avez un accident et qu'il y a un expert qui a dû passer ou que votre véhicule a été déclaré sinistré auprès de l'assurance,
il y aura une obligation de passer au contrôle technique. Voilà. Et la troisième obligation, toi, il y en a encore deux autres, c'est dans le cas où vous auriez perdu votre plaque d'immatriculation et vous devez faire réimmatriculer votre véhicule. Je sais, ça paraît bête, mais là, vous allez devoir passer puisque la réimmatriculation d'un véhicule nécessite le passage au contrôle technique. Et de plus, si vous vous faites arrêter par la police et que la police estime que votre véhicule n'est pas conforme aux règles ou entre guillemets, votre véhicule fait trop de bruit ou autre, comme la police n'a pas tout le matériel pour pouvoir réaliser les tests de bruit, ils peuvent vous accompagner au contrôle technique ou vous envoyer faire un passage au contrôle technique pour tester le bruit de votre véhicule. Et voilà. Et la première chose que le moniteur m'a parlé, donc il faut savoir que, donc effectivement, tous les pays d'Europe n'ont pas de contrôle technique, donc nos voisins français n'ont pas de contrôle technique, mais il y a déjà énormément de pays en Europe qui ont le contrôle technique, et ça va devenir une obligation européenne. Donc, quoi qu'il arrive, on allait devoir y passer, et ils ont essayé au maximum, comme vient d'expliquer Gilles, de diminuer vraiment le côté drastique du contrôle, et d'avoir vraiment un contrôle le plus léger possible. Et autre chose, évidemment, et ça, on nous en a déjà parlé, et malheureusement, on va pouvoir vous répondre par l'affirmative, il est certain que dans un futur proche, on va arriver au contrôle technique comme pour les voitures, donc après 4 ans, être dans l'obligation de devoir passer des véhicules au contrôle technique, comme les voitures. Alors pour le moment, ce n'est pas encore sur la table, ils nous ont dit clairement, ils l'ont refusé. Ils ont bien précisé que normalement, il y avait effectivement, en fait l'Europe a demandé qu'il y ait un contrôle technique. Alors ce n'est pas qu'un contrôle technique moto, parce que tout le monde croit qu'on parle que des motos, mais ce n'est pas que les motos, il y a tout un panel de véhicules qui est repris, comme les buggy, les quads, les voitures sans permis, qui sont repris aussi dedans. Donc il y a tout un panel de véhicules, et au tout début il y avait même des véhicules qu'on ne s'imaginerait même pas, mais même un vélo électrique était dans la catégorie des des véhicules qui devaient passer. Donc voilà, il y avait énormément de catégories de véhicules, et eux ont décidé effectivement d'éliminer ces véhicules là parce que ça posait quelques soucis. Le problème, c'est que il faut former des gens pour faire ces contrôles-là, et le problème, c'est qu'aussi il faut du matériel adapté. Donc actuellement, il faut savoir qu'au niveau des contrôles techniques, parce que je sais qu'il y en a encore plein qui vont dire le contrôle technique, c'est l'État, hein, puisqu'il y en a plein qui disent c'est de l'argent qu'on met dans les caisses de l'État. Tout d'abord, faut savoir que ici nous sommes trois à travailler derrière l'écran. Je suppose que vous travaillez. Tout travail mérite salaire. Donc quand vous payez 48 euros pour le passage au contrôle technique pour vendre votre véhicule d'occasion, c'est 48 euros. Vous pouvez les retransposer dans la vente de votre véhicule. Hein. Ça, c'est déjà une chose. Et tout travail mérite salaire. Il faut savoir quand même qu'il y a deux personnes qui vont travailler sur votre moto. Il y a quand même deux contrôleurs. Il y a tout le matériel qu'ils ont mis à disposition qui doit être payé. Et c'est pas l'État qui paye ça. En fait, Autosécurité est une société privée qui travaille effectivement avec l'État, mais pas pour l'État. C'est une différence importante. Donc pour toute la Wallonie, il y a Autosécurité. Pour le Hainaut, c'est l'AIBV. Ensuite, il y a une partie pour Bruxelles, et ensuite il y a une partie pour la Flandre. Il faut savoir que pour le moment, au niveau des contrôles techniques, il y a une grosse différence entre l'AIBV et Autosécurité pour tout ce qui est Wallonie et Hainaut. L'AIBV n'a pas encore tout le matériel comme Autosécurité, et leur méthode est un peu différente de ce qu'on nous a présenté. Donc voilà, donc en fonction de l'endroit où vous voulez passer votre contrôle technique, vous pourriez voir des différences. Eux sont en pourparlers pour essayer de faire en sorte d'harmoniser, en tout cas pour la Wallonie et le Hainaut, d'harmoniser pour que ça tout se fasse de la même façon, pour éviter justement des conflits, qu'il y en ait certains qui disent ouais, moi je suis passé là, on m'a interdit ça, on m'a dit ça. Voilà. Au niveau de Sarah est en train de lire le léger dossier qu'on avait reçu. C'est ma Bible. Sa nouvelle Bible, son nouveau livre pour s'endormir le soir. Donc, une chose qui est en conclusion et que beaucoup de gens n'ont pas comprise, en tout cas quand ils passent au contrôle technique, c'est la première chose, c'est n'allez pas au contrôle technique avec un véhicule où vous savez qu'il ne va pas passer au contrôle technique. Mis à part dire j'ai été refusé au contrôle technique, ça n'a aucun intérêt. Donc, quand vous allez au contrôle technique, la première chose à faire, c'est comme pour la voiture, passez chez votre garagiste. Il va pouvoir vérifier les différentes choses. Il faut savoir que contrairement à ce qui a été annoncé sur certains réseaux, il n'y a pas 38% des motos qui ont été refusées.
Il y a moins de 20% des motos qui ont été refusées, et c'est refusé avec un petit changement à faire de temps en temps, c'est le phare. Alors ça a l'air tout bête, le catadioc. Voilà, en fait, il faut savoir que par exemple, ça on nous l'a présenté, on nous l'a dit, la plupart des motards qui se sont présentés en privé, donc ça veut dire sans passer par un concessionnaire, sont arrivés en fait au contrôle technique, comme ça, en venant présenter leur véhicule, donc en fait ils n'ont pas fait une préparation en amont pour, voilà, pour entre guillemets, pour que le véhicule soit prêt. Donc pas de test de réglage de phare, rien du tout, ils sont arrivés comme ça, et puis voilà, je viens présenter. Et puis c'est pas passé. Voilà. Et puis en fait, ils se sont retrouvés refusés, par exemple, pour un catadioptre à l'arrière. Alors il y en a plein qui vont rager, ils vont dire « Ah, un catadioptre !» Il faut savoir quand même que ce catadioptre rouge qui est à l'arrière, il y a déjà pas de dimension obligatoire, mais il y a un catadioptre qui est obligatoire à l'arrière de votre moto, et ce catadioptre, il est obligatoire depuis 1975 au niveau de la loi. Oui. Ce qui veut dire qu'en fait, pour le moment, tous ceux qui n'ont pas de catadioptre à l'arrière, vous avez de la chance, la police ne vous a jamais arrêté, mais si la police vous arrêtait et que le policier était en connaissance de cette loi, il pouvait vous dresser une amende parce que votre véhicule n'était pas conforme à la réglementation. Voilà, c'est comme par exemple les nouvelles motos à partir de 2018, il y a des catadioptres qui sont obligatoires au niveau de la fourche à l'avant. Vous devez avoir deux catadioptres orange et c'est obligatoire depuis 2018. Donc en fait, si vous avez une moto qui date de 2019, vous vous pointez au contrôle technique pour la revendre, vous n'avez pas ces catadioptres, peut-être parce que votre concessionnaire ne les a pas montés sur la moto quand vous l'avez reçu, ou parce que vous les avez retirés, ou quelqu'un d'autre les a retirés, il y a des chances que, effectivement, votre moto soit refusée. Au niveau de tout ce qui est éclairage, tout éclairage qui se trouve sur la moto est obligatoire, tout doit être homologué. Ça veut dire que vous avez changé le phare à l'avant, il doit y avoir ce fameux rond avec un E, avec un chiffre à côté qui doit être présent. Même chose pour les rétroviseurs, même chose pour les clignoteurs, même chose pour le feu arrière, même chose, voilà, pour tout l'éclairage, pour les rétroviseurs, tout doit être homologué. Au niveau des fameux rétroviseurs d'embout de guidon, les rétroviseurs d'embout de guidon sur les, par exemple, Harley Davidson avec un guidon haut, en fait, vous pouvez avoir les rétroviseurs en embout de guidon vers le bas. Par contre, sur tout ce qui est Roadster, en fait, très souvent, les gens inversent les rétroviseurs pour les avoir vers le bas. Ça, ce n'est pas toléré. Bon, ça, vous pouvez le faire en amont chez vous. Vous pouvez simplement les dévisser, vous les inverser, vous les remettez vers le haut, vous le passez au contrôle, voilà. Et comme ça, c'est. Mais ils doivent être homologués, donc il doit y avoir ce rond avec ce E qui doit être marqué dedans. Pas pour... C'est E, hein. J'insiste parce que. C'est pas CE, fait... c'est le E. Oui, c'est voilà. Le E entouré, hein. Important. Voilà. Il y a l'angle de la plaque, pas plus de 30 degrés, alors que ça soit une plaque, un support de plaque traditionnel ou une plaque, entre guillemets, qui est posée directement sur le garde-boue. Même chose au niveau des plaques latérales. Les plaques latérales sont autorisées, mais les plaques latérales doivent être mises au bout du bras oscillant. Donc ça veut dire pas une plaque qui est mise juste derrière le pied du conducteur. Donc ça doit être vraiment le plus à l'arrière possible parce qu'il doit y avoir un minimum de 30 degrés d'angle de visibilité. Donc entre le bord du pneu et la plaque, il doit y avoir un minimum de 30 degrés de visibilité pour que votre plaque soit lisible. Voilà, très belle performance de Sarah qui nous montre. Alors, bien sûr, ce dossier est disponible. Donc, ce dossier, avec tout ce qu'il faut pour passer au contrôle technique, est disponible sur la page Facebook CT Moto Belgique. Vous allez, en fait, dans les onglets fichiers et vous pouvez le télécharger pour pouvoir, tout simplement vous préparer à ça. On remettra le lien en description. Voilà. Tout à fait. Et donc, vraiment, on voulait faire cette vidéo. Donc, nous ne sommes pas des moutons. Hein. Non. On n'est absolument pas ici, on n'est pas payé pour faire cette vidéo. On est juste là parce que, on en a un petit peu assez d'entendre tout le monde qui gueule. Dites-vous que c'est quand même pour votre sécurité, pour notre sécurité, pour la sécurité de tous. On s'est tous, dans le meilleur des cas, on s'est tous fait un petit peu avoir, on s'est tous fait vachement avoir lors d'un achat d'une moto d'occasion parce qu'on n'a pas les connaissances, etc. Il y a plein de gens qui sont fait avoir, qui sont retrouvés avec des motos qui était accidenté, qui était plié, qui était ressoudé, comme tu as vu passer le bras oscillant. Enfin, il y a donc vraiment, voilà, on est là tous les trois. Enfin, on est là tous, tout le team. On a eu cette chance et ils ont eu vraiment l'intelligence de nous inviter. Ils s'étaient vraiment, on était quelques influenceurs à être là pour ces cours. Et je pense qu'ils ont tout à fait raison de le faire. Et heureusement, j'ai l'impression que petit à petit, les idées sont en train de changer sur les réseaux sociaux, les gens commencent un petit peu à réfléchir, et au lieu d'être contre directement, essayez quand même de regarder un petit peu
S'il n'y a pas des choses intelligentes à sortir de là. Alors là, justement, c'est ce qu'ils nous ont dit. Il n'y a pas de bêtes questions, donc n'hésitez pas à les contacter pour poser vos questions. Eux ne sont pas contraires à vous répondre. Et bien sûr, eux, dans leur objectif, c'est comme ils nous l'ont dit au tout début, qu'ils ont commencé à travailler sur ce fameux règlement, puisque c'est eux qui ont dû travailler dessus. Ben en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui sont venues les aider. Donc en fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui étaient là pour rager, et très peu de gens, en fait, pour amener des remarques ou des critiques constructives. Et eux, c'est ce qu'ils recherchent. Ce sont des remarques ou des critiques qui sont constructives, qui permettent de faire évoluer les choses en positif et pas spécialement en négatif. Donc, ils ont déjà pris vraiment des marges énormes pour essayer de tolérer un maximum de motos. Et de nouveau, ils l'ont encore redit, ce sont des motards, ils sont tout à fait conscients de la complexité de faire ce contrôle technique, et ils ont tout fait pour que ça se passe au mieux, même si, entre guillemets, bah oui, il y a des choses, il y a des contraintes un petit peu à respecter, mais c'est parce que avant, on nous tolérait tout, on faisait tout et n'importe quoi, et effectivement, maintenant, on a juste mis, effectivement, une marge de sécurité, et c'est bon pour tout le monde. Moi, honnêtement, je suis très heureux de savoir qu'il y a des motards qui vont pouvoir acheter des motos qui seront en ordre, parce que vous avez beau dire ce que vous voulez, j'en ai vu de mes propres yeux, j'ai vu des motos qui n'étaient pas en ordre du tout, qui étaient dangereuses, plus de freinage et des choses ainsi. Et je parle pas du contrôle technique, je parle de motos que j'ai vues personnellement et des gens qui roulaient avec ces motos-là, où j'ai fait l'entretien dessus et où la personne, au final, quand elle a récupéré sa moto, elle m'a dit « mais ma moto, elle revient de loin ». Oui, effectivement, la moto et lui aussi revenait de loin. Moi aussi. Mais le gars qui t'a fait l'entretien, il revenait de loin. Et aussi, la moto de Sarah, par exemple, la VN800 de Sarah, elle revenait de loin. Elle n'avait plus de frein à l'arrière. Et pourtant, cette moto est passée chez un concessionnaire pour remplacer la roue arrière. Et il n'a pas vu que l'axe de frein était grippé. Je ne lui en veux pas. Mais cet axe de frein était déjà grippé depuis un moment, et puis à un moment, Sarah a failli avoir un accident. Peut-être que s'il y avait une sorte de contrôle technique à un moment, peut-être qu'elle aurait été obligée de la passer assez régulièrement, et peut-être qu'on se serait rendu compte qu'il y avait un problème au niveau du frein arrière, et ça aurait permis de corriger le problème et de ne pas en arriver là. Voilà. Donc voilà, allez. Donc merci d'être resté jusqu'au bout, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. On se retrouvera, donc n'oubliez pas le vendredi soir. Donc, vendredi soir, 18h, YouTube, les vidéos sur la page. Ouais. Le vendredi à 19h, Sarah et Gilles sur la page de Gilles, pour le live, le Gilles 027. Donc, vous retrouvez les deux ouaves, et puis n'oubliez pas de continuer à liker, les amis. Un grand merci. Là, aujourd'hui, on a fait l'essai de la zéro, on s'est super bien marré, on est légèrement humide. Donc, n'oubliez pas de liker. Bye! On va aller voir les petits enfants en bas. Hein. Arrête avec tes... Tu peux retirer ton casque, Gilles. Il faut toujours laisser quelques secondes avant la fin de la vidéo, parce que sinon... Voilà.